Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir des secrets cachés dans App Store. Comme vous savez, de temps en temps, Apple apporte des améliorations et des mises à jour à l'application App Store. App Store, la boutique d'Apple qui vous permet d'installer des applications et des jeux sur votre iPhone, iPad. Quand vous touchez la photo de votre profil et vous descendez en bas, vous trouvez ici toutes les applications qui disposent d'une mise à jour. Et bien sûr, vous êtes invité à les mettre à jour. Vous pouvez les mettre tous à la fois à jour en touchant tout mettre à jour, ou vous pouvez le faire in par in, il suffit de toucher mettre à jour. En descendant encore en bas, vous allez trouver ici les applications qui ont été mises à jour récemment et vous pouvez trouver bien sûr des informations concernant cette mise à jour. Vous pouvez les ouvrir directement à partir de là. Alors, si on revient en haut, vous pouvez utiliser une carte cadeau ou un code. Pour ce faire, il suffit de toucher ici. Après, utilisez la caméra de votre téléphone pour scanner le code de la carte cadeau afin de l'utiliser. Comme vous pouvez saisir manuellement le code de la carte cadeau. Aussi, vous pouvez envoyer une carte cadeau par email. Pour ce faire, touchez envoyer la carte cadeau par email. Si vous avez bien sûr des cartes, vous pouvez les envoyer à l'un de vos amis ou à l'un de votre famille. Vous aurez ici donc le choix entre 25 euros, 50 euros et 100 euros. Moi, j'ai les euros ici parce que mon compte est en français. Vous pouvez choisir donc le montant de la carte cadeau à envoyer. Et vous allez mettre ici l'adresse email, destinataire, et ici, bien sûr, le nom. Et ici, si vous souhaitez ajouter un message qui va accompagner la carte. Aussi, vous avez la possibilité de créditer votre compte. Pour ce faire, touchez créditer le compte de cette identifiant Apple. Et vous avez le choix entre 25 euros, 50 euros, 100 euros ou un autre montant que vous désirez. Et en bas, vous aurez le solde de votre compte, la disponibilité de votre compte. Là, on a achat. Donc, achat, si on touche ici, vous allez avoir ici toutes les applications que vous avez installées. C'est pas seulement sur cet appareil, mais sur tous les appareils dans lesquels vous avez utilisé le même identifiant Apple. Par exemple, cette application, elle n'est pas disponible sur mon appareil actuel. Pour l'installer, il suffit que je touche ici. Et là, vous avez pas sur cet iPhone. Ça veut dire les applications que vous avez déjà installées, mais pas sur cet appareil. C'est d'autres appareils dans lesquels vous avez utilisé votre identifiant Apple. Pour installer une, il suffit de la toucher. Ça veut dire toutes les applications et jeux que vous avez installées quand vous allez créer votre identifiant Apple, vous allez les trouver ici. Et ça, c'est très important. Pour les réinstaller à nouveau sur un autre appareil, vous allez y accéder facilement et pouvoir les installer. Si vous avez un jeu ou une application, vous pouvez la partager avec vos amis. La toucher, ensuite toucher ici. Et voilà, vous avez la possibilité de la partager avec vos amis, soit via les plateformes de partage comme WhatsApp, Messenger, Mail, etc., Instagram, ou vous copiez à partir de là le lien et l'envoyer à l'un de vos amis pour qu'il puisse installer l'application facilement. Alors là, vous pouvez modifier les actions de cas échéant. Voilà, donc il y a d'autres secrets cachés dans App Store. Moi, je vous ai découvert les plus utilisés. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi d'activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine vidéo.